Et salut les amis. Allez, on s'est motivé encore pour la quatrième fois d'affilée. On a rejoint les copains. Et là, on va essayer de se faire un petit tour sur Pierrefeu. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Tranquillement, mais sûrement. Allez, ça part de là. Allez, on s'échauffe sur un petit sentier. Ça va descendre de suite et après on va se prendre une très longue montée. Il pèle par contre les amis. Je sais pas combien il fait. Pourtant 5 degrés, mais j'ai l'impression qu'il fait beaucoup moins. Allez, go, go, go! C'est pas beau ça, t'as qu'une sortie avec une descente. Ah. Même si je sais que je vais morfler derrière, ça fait du bien. Allez. Ah, c'est ça. Eh ben ça fait du bien de commencer comme ça là, les amis. Ah, après je vais me calmer complet là. Là c'est fini là. Allez, direction la longue montée. Allez, on est dedans. Ça part de là. Là, le plus dur, tu sais quoi? Déjà que je suis la ramasse, ça c'est une chose. C'est quand tu les vois partir et que tu sais que tu peux pas suivre. Et là, moralement, ça me démonte. Ça me coupe tout là. Enfin, c'est pas là. De toute façon, c'est qu'un mauvais moment à passer. Et puis quand on sera en haut, ah ben, je serai content. Content de l'effort. Et puis voilà. Allez, on s'accroche. Allez, je suis toujours dedans. Je m'accroche. J'ai Pascagne en ligne de mire là-bas. Ça veut dire que je le rattrape pas, mais je le suis quoi. Je suis toujours à mon rythme, donc c'est déjà pas mal parce que les sorties d'avant, j'arrivais même pas à le suivre. Donc c'est pas mal. Ou alors, il est en moins bonne forme. Allez, on s'accroche. Regardez comme ils sont beaux là-bas dans la colline. Fini. On fait le finish avec Pascal. Il est là. Le beau Pascal. Allez, on est en haut de cette première montée. On a fait quoi? 10 km, 291 mètres de dénivelé. Eh ben, c'est pas si mal que ça. Ouh. Essoufflé, mais ça va. On se maintient. On va s'économiser pour le reste de la sortie. J'en profite pour vous les filmer un peu en partant parce que dans 2 secondes, je les vois plus. Ah, les petits points de vue, le soleil qui va bien. Ah, faut... ah, une petite descente enfin. Putain, je sais même pas où on va là.
Je pense que c'est par là. Oh, 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 jolie poupée. Tiens, tu freines, ça glisse, il n'y a pas d'adhérence. Oh. Ça, c'est le genre de sentier qui est sympa, tu vois, mais par contre, je suis pas à l'aise, je perds trop de vitesse. J'ai vu que ce que c'était. Ça là, c'est le caviar. Manque un petit peu de confiance en moi, c'est passé dessous. Là, tu sais ce qui m'inquiète, c'est de me dire qu'il va falloir remonter tout ça après. Ouais, bien sympa. Ah oui, putain. Je m'en rappelle de ça. Bon, ça va. C'est moins pire qu'avant. Je crois que ça s'est tassé. Oh. Il n'y a rien derrière, vous pouvez y aller. Celle-là, elle était géniale. Oh, quoi, fait du bien, ça fait du bien. Maintenant, par contre, ce qui va faire du moins bien, c'est qu'il faut remonter tout ce qu'on a descendu. Allez, on est reparti là, dans la montée. Si je me trompe pas, on fait tout le tour et on repart en face de l'autre côté. Inutile de te dire que ça va monter beaucoup et longtemps. Au bout de ma vie déjà. Rien que d'avoir le programme dans la tête. C'est pas grave. Il n'y a plus le choix là. On est dedans. J'ai vendu mon vélo. Moi j'ai récupéré un électrique. Ça va de suite mieux. Qu'est-ce que t'as perdu? Ça va de suite mieux là. Putain, j'ai repris une vivacité là sur le vélo. Impressionnante. Hein. Comme quoi ça revient vite la forme. Hein. Allez, continue. Puis on peut dire que ça venait pas du vélo en fait, hein, parce que regarde, il roule. Hein. Donc je pense que c'était moi le problème. Bon ben, toujours aussi facile dans la montée. Un petit point de vue des familles. Là. Alors comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est appréciable quoi. Quand tu forces un peu moins. Bien que je suis resté en écho, je force aussi là. David, j'étais reparti le chercher. Oh, par contre, tu me niques pas ma moyenne, hein, je roulais bien. Hein. Parce que t'as mon GPS, je voudrais pas que tu me fasses chuter ma moyenne. Ah bon? Ah. Franchement, pas mal. Hein. Pas mal ton vélo, David. Hein. Je sais pas si je vais te le rendre. Et ce petit Rocky Mountain, alors? Qu'est-ce que t'en penses? Il est à vendre. Pas la couleur. Ah ben non, c'est pas fini.
Et tu vois, j'ai des coups de mou, dès que je repars sur mon vélo, ça va moins bien. Allez, appuie là, putain. Foiré. Ah putain. Allez, ça commence à descendre un peu là. Je pense qu'on va alterner et descendre, petite montée. Oh, papa. Oh, ça permet de se refaire un peu là. Elle est bonne, hein? Ouais. Le cul est parti de côté. Il y a quelque chose qui me chagrine. J'arrive pas à le tenir le vélo là-dedans. Ah, ça descend de mieux encore. Bon, c'est un peu large. Ouh, c'est dommage, mais c'est sympa quand même. Allez, bim, ça remonte là. Là, on va morfler. Enfin, je vais morfler ma race. Je crois que ça remonte bien. Ah, on a gagné. Allez, go go go. Ah. Allez, je veux pleurer. Ah, bim, ça rebascule. Putain, ça remonte encore. Ah, mes couilles. Ah, pardon. Mais sorti du fond du cœur. Et ben heureusement que les copains ils sont là, tu vois, pour m'aider. C'est dur. Essayer de me donner un rythme. J'essaye de suivre sans passer à autre chose. Et ça fait du bien, ça aide. Là, mentalement, ça y est, c'est dur. Là, on en est à 18 km, 728 mètres de dénivelé. Et encore, c'était pas... C'est des montées en train, quoi. Donc, c'est pas des plus durs comme l'accro, mais ça reste difficile, quand même. Oh, je suis au bout de ma vie, là. Pourtant, je sais qu'il reste plus grand-chose, mais... Ah, je suis cartable. Ah, c'est trop dur. Elle est un peu sale au début. J'aime bien quand elles sont sales au début. Ah ouais, putain. Elle est pas sale, elle est dégueulasse. Ah. Allez, ça va descendre. Wouhouhouhou. Je crois que j'ai un peu trop gonflé l'arrière, tu vois. Le week-end dernier, ça m'a pas dérangé, mais là, ça flotte derrière. Et je vois que j'utilise pas tout le débattement. Donc, il va falloir revoir ça un petit peu. Oh, c'est où là? Putain, j'ai pris une branche. Ah, ça y est, parti.
j'en ai trois. Oh putain, il m'avait dit des petits coups de cul, il a dit. C'est tout en devers. Oh. Ah, je pense que ça va commencer à descendre. Ça remonte encore. Oh. Ah, quand t'es cuit, ce genre de petit coup de cul là, ça te tue. Bon bah écoute, hein, on pousse un peu là, j'ai plus. J'ai envie de descendre. Voilà, pas te faire descendre, monter, descendre, monter. Ah, ça m'a fini mon allemand. Allez, que de la descente, putain. Je veux que de la descente, s'il vous plaît. Je suis cuit. Ça va couper en deux. Ah putain. Bon allez, encore dans les... Il faut que ça s'arrête là, dans les... Plein les cacahuètes là. Voilà, ça y est, psychologiquement, je suis dans le dur et j'ai plus envie. Et je peux pas couper. Donc voilà. Enfin. C'est joli après, mais bon, j'en ai marre. Ouais, je pense que ça descend un peu, j'espère, parce que non. Ça remonte, oh sa mère de sortie, oh. Les couilles, hein. Allez, pousse le vélo parce que j'en peux plus. Péter les couilles, c'est sorti de merde. Franchement. Voilà, là tu vois, je suis dans le pur moment où je me dis que c'est la dernière sortie. Là, c'est bon, mes couilles. Trop dur. J'en ai marre. Vraiment plein les couilles. Même plus en descente, j'arrive à m'amuser, je suis dégoûté. Ça descend pas, merde. Putain, si seulement j'avais le budget pour m'acheter un vieux merde là aussi, je me serais rien fait. Putain, dégoûté. Excusez-moi pour les gros mots, mais j'en ai tout gros sur la patate là. De voir comme ça, c'est dur. C'est vraiment dur. Ça descend même pas. Allez hop. Ça fait chier, ça descend même. Je crois que... Il faut que le cul descend vite, comme ça c'est fini.
Oh, ça a l'air pas mal. Ça remonte un peu le moral. Allez, on est en bord de rivière. Normalement, on devrait avoir fini les montées. J'espère. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler jusqu'aux voitures tranquillement. Et on va essayer de garder que le positif de cette sortie. Allez, petit apéro. De fin de Pascal avec le président. On a un petit message à Philippe. Non, il est où? Je sais pas où il est, Philippe. Ben, je sais pas. Il va falloir revenir, Philippe, parce que là, moi, je morfe tout seul. Parce que là, ça fait quoi? Ça fait deux mois qu'il n'y a même plus. Je sais pas, je sais même plus. Bon, moi, j'ai pas de nouvelles. Je sais même plus à quoi il me ressemble. T'as une photo? Non, j'ai. T'as une photo, non? Non, non. Ta soeur, je te raconterai tout. Ça a balancé toute la matinée. Un gros message pour Philippe, reviens-nous vite, parce que tu nous manques quand même. Achète un électrique ou achète un tricycle, je sais pas, moi. Reviens-nous vite. Achète une YZ ou une KX, je sais pas, mais. Fais quelque chose. À très vite. Bon ben, 27 bornes, 800 et quelques mètres de dénivelé, je suis cuit. Ah, vous avez vu, j'ai explosé sur la fin. Compliqué. Bon, c'est fait. C'est fait. Malheureusement, faut passer par là pour un truc, mais là, je me remotive. Remotive parce que là, j'ai qu'une envie, c'est de poser le vélo et de plus en faire. Donc, il va falloir garder que le positif de ce sorti et revenir dimanche. Pas sauter dimanche prochain, sinon ça va être dur. Allez, j'espère que vous avez passé un bon week-end et moi je vous dis à la prochaine, comme ça c'est sûr, je vais être obligé d'en faire une. Allez, ciao tout le monde.